L'amour dans toute sa définition. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que Dieu attend de lui?
a peur de ses enfants au sujet de l'amour. Et qu'est-ce que Dieu lui-même a fait pour manifester son amour à l'humanité? C'est en connaissant cela que nous saurons vraiment ce que Dieu veut pour nous au sujet de l'amour. Nous allons voir aussi en quoi consiste l'amour de Dieu pour nous et en quoi consiste notre amour envers Dieu et envers nos frères et sœurs. Nous allons comprendre aussi ce que c'est que l'amour inconditionnel que le Seigneur nous a manifesté. Et le but de l'amour, ou les bienfaits de l'amour, les avantages que l'amour nous accorde afin que notre vie soit une vie de l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous devez comprendre que la vie chrétienne est une vie spirituelle. Quand on parle d'une vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. C'est des esprits que le Seigneur appelle qu'il change. D'abord, quand on parle même de la nouvelle naissance concerne notre esprit. Que Dieu change, qu'il prend, qu'il renouvelle pour maintenant mettre son esprit dans notre esprit pour que nous soyons des enfants de Dieu, pour que nous soyons des fils de Dieu. Donc si notre esprit n'est pas renouvelé, nous ne pouvons pas être appelés fils de Dieu ou enfants de Dieu ou même chrétiens parce que Christ est spirituel. Alléluia. Donc l'amour est l'un des fondements de base pour le décollage d'une vie spirituelle épanouie, d'une vie spirituelle avec Dieu. Et le Seigneur, dans toute sa parole, et surtout par l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, a montré combien de fois il est amour. Quand on parle de la divinité, quand on parle de Dieu, on voit en même temps un Dieu amour qui vient vers les hommes pour faire quoi? Pour les sauver. Qui vient vers les hommes pour leur montrer un chemin, pour leur montrer le chemin du salut, pour leur montrer ce qu'est réellement la vérité. Et ça se manifeste uniquement par l'amour. Nous allons comprendre que sans l'amour, nous ne pouvons rien faire. Nous allons comprendre que sans l'amour, même si nous prions, même si nous jeûnons, même si nous posons des actes bienfaisants, même si nous sommes les plus grands de la terre, même si nous croyons aimer Dieu ou nous nous disons que nous sommes saints, en réalité, nous ne faisons encore rien. Parce que tout sur le plan spirituel prend fondement sur l'amour. Tu ne peux pas être un homme ou une femme spirituelle si au préalable, tu n'as pas à aimer ou à avoir l'amour, à développer les caractères de l'amour. Parce que l'amour est un caractère divin. Et le premier caractère du Saint-Esprit, le premier caractère de l'Esprit, ou le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Lorsqu'on vous parle du fruit de l'Esprit, vous devez savoir qu'on vous parle de l'amour dans toute son intégralité. Et tous les autres fruits se retrouvent dans l'amour, sont manifestés par l'amour, sont aussi engendrés par l'amour. Alléluia. Et l'amour dans sa définition primaire, sa définition étymologique, c'est comme un sentiment positif que l'on éprouve envers notre vis-à-vis ou même envers nos proches, envers nos parents, envers notre ami ou nos amis ou envers un homme ou une femme. L'amour, c'est ce sentiment ou l'ensemble de ces émotions qui développe en nous un attachement à quelque chose, à un être vivant, à une âme vivante ou encore à une communauté ou à un groupe de personnes. Celui qui aime a tendance à aller vers ce qu'il aime et à s'attacher à ce qu'il aime et cherche aussi à lui faire du bien parce que l'amour est quelque chose de positif qui a été produit en nous le vouloir d'aller vers quelqu'un, d'aller vers une chose qu'on aime ou de dépenser notre énergie pour faire du bien à ceux que nous aimons. Alléluia. Et nous devons aussi savoir que l'amour concerne notre identité spirituelle. L'amour
est une partie spirituelle qui habite en nous et qui est beaucoup éprouvée et développée par notre âme, l'âme que Dieu a mis en nous. C'est l'âme qui aime, c'est l'âme qui s'attache, c'est l'âme qui se marie, c'est l'âme qui veut faire du bien, c'est l'âme qui éprouve des sentiments, c'est l'âme qui cherche à faire du bien à son prochain ou qui cherche à vouloir du bien de son prochain. Alléluia. Et nous allons comprendre et connaître le rôle de l'amour, la différence entre l'amour du monde et l'amour de Dieu, la différence entre ce que la Bible appelle l'amour et ce que l'amour va produire en nous, l'amour véritable, l'amour divin et l'amour qui nous est enseigné par le Seigneur par sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est prêt? Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous allez prendre la parole du Seigneur dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 3. À partir du verset 14, au verset 19. Nous rappelons que le verset principal, le verset de base de notre réveil spirituel est tiré de Philippiens 3:3, qui dit que nous sommes les circoncis qui adore Dieu en esprit et qui ne nous confie pas en la chair pour rendre notre culte, mais qui nous confie en l'esprit pour rendre un culte agréable à Dieu. Éphésiens chapitre 3, en particulier verset 14, en maintenant tout le nom de Jésus. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Je fléchis genoux devant le Père, de qui tire son nom toute famille de la terre. Toute famille de la terre. Et aussi dans les cieux. En sorte que mon Christ habite dans mon cœur, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Il dit, ma prière pour vous, c'est que Dieu vous fortifie en esprit. C'est que votre esprit soit puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu. Pour que vous puissiez croître dans l'amour. Pour que vous puissiez connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. En réalité, la connaissance commence quand tu as accès à l'amour de Dieu. Tu commences à progresser spirituellement lorsque tu commences à comprendre ce que représente l'amour de Dieu pour toi. Ce qu'est l'amour de Dieu, les exigences de l'amour de Dieu, le socle même de la foi chrétienne, c'est l'amour de Dieu. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas l'amour de Dieu, en réalité, n'a pas encore accès à toute la connaissance de Dieu. Donc, l'amour divin est le commencement de la connaissance. Parce que qu'est-ce que la connaissance? La connaissance selon Dieu, c'est lorsqu'on a accès à celui qui l'a envoyé. Il dit dans le livre de Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Parce que la vie éternelle, c'est la connaissance. Et cette connaissance se trouve dans l'amour. Donc le but de Dieu, c'est que tous les hommes, toute l'humanité puisse avoir accès à son amour. Et son amour, c'est sa connaissance qu'il donne. Donc celui qui n'a pas accès à l'amour de Dieu,
qui ne connaît pas l'amour de Dieu et qui ne marche pas dans l'amour de Dieu n'a pas accès à la connaissance de Dieu. Et par conséquent, il n'a pas également accès à quoi? À la vie éternelle. Parce que la connaissance, c'est de connaître le vrai Dieu, de connaître celui qui l'a envoyé. Et l'apôtre Paul nous dit ici, il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'il t'a enraciné et fondé dans l'amour. Parce que l'amour est la doctrine même du Seigneur. Quand nous parlons de la sainte doctrine, aujourd'hui vous allez comprendre que c'est l'amour de Dieu manifesté, envoyé aux hommes. Parce que Jésus est le symbole de l'amour. Quand il dit, il a été baptisé dans l'eau, il dit quoi? Il dit celui-ci, une voix qui entend au ciel, il dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? En qui j'ai mis? En qui j'ai mis? Toute mon affection, toute ma vérité, toute ma parole, toute ma connaissance, toute mon instruction, tout mon esprit, c'est en lui que j'ai mis. Parce que l'affection dont il parle, c'est pour dire, c'est en lui que j'ai mis le dépôt de la vie éternelle. Et cette affection n'est rien d'autre que l'amour. Donc, si vous le connaissez, vous connaîtrez aussi mon amour. Si vous avez accès à lui, vous avez également accès à mon amour. Mais lorsque vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas aussi mon amour et vous n'avez pas accès à mon amour. Donc la fondation même du décollage spirituel, la fondation pour monter avec le Seigneur, pour apprendre des choses spirituelles ou pour être un homme spirituel, c'est l'amour. Lorsque tu ne comprends pas l'amour, tu ne connais pas l'amour, et que l'amour n'habite pas dans ton cœur, tu ne connais pas encore Dieu. Tu peux avoir toute la connaissance, mais cette connaissance n'est rien aux yeux de Dieu, parce qu'elle n'est pas d'abord dans l'amour de Dieu. Dis à ton frère, aujourd'hui tu as accès à cet amour. Tu as accès à l'amour du Père. Amen. Donc c'est quand nous avons accès à l'amour, que nous avons accès à la connaissance dans la largeur, dans la profondeur, dans la hauteur et dans la longueur. Pourquoi? C'est l'amour qui est le symbole de la connaissance. Le centre même où gravite toute forme de connaissance. Et même toute forme de spiritualité se base sur l'amour. Donc tu ne peux pas vivre une vie spirituelle ou bien la vie de l'esprit. Si d'abord tu ne connais pas l'amour, tu n'es pas reposé sur l'amour. Parce que la vie de l'esprit, c'est une vie qui parle ou qui se manifeste autour de l'amour. Et cet amour, nous le connaissons déjà tous. C'est la connaissance du Dieu véritable. Alléluia. Ça, c'est différent de l'amour du monde. Ici, l'amour est une personne. L'amour de Dieu que nous allons connaître. L'amour de Dieu dans lequel nous devons progresser, nous devons marcher, est une personne que nous connaissons, qui est identifiable. Et si cet amour n'habite pas dans notre cœur, nous ne pouvons pas connaître Dieu et nous ne connaissons pas Dieu et nous ne vivons pas également pour Dieu et selon Dieu. Alléluia. Dans le livre de Jean 3, 16, il a dit ceci. Il dit, car Dieu a fait quoi? Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et au préalable, il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais il a envoyé pour qu'il sauve le monde. Dieu a tant aimé le monde. L'amour a été manifesté lorsque Dieu veut sauver. Lorsque Dieu veut sauver, il manifeste son amour. Lorsque Dieu veut secourir, il manifeste son amour. Lorsque Dieu veut apprendre à quelqu'un, il manifeste son amour. Sans la manifestation de l'amour, Dieu ne peut pas sauver les hommes. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans l'ancienne alliance, l'amour n'était pas tellement profond. Et c'est pourquoi les hommes n'étaient pas sauvés. Dieu avait beaucoup agi comme un père qui a juste donné des commandements qu'il faut respecter.
Et les hommes trouvaient cela tellement difficile parce qu'il y avait assez de listes de lois qu'il faut respecter avant de plaire à Dieu ou d'être justifié devant Dieu. Dieu n'avait pas montré son amour en ce temps. Mais aujourd'hui, Dieu parle par son amour. Donc ceux qui veulent avoir accès à Dieu, ceux qui veulent connaître Dieu aujourd'hui, il faut qu'ils ouvrent aussi leur cœur et connaissent l'amour de Dieu. Après l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce Dieu puissant qui vient auprès de l'humanité et qui leur accorde le salut éternel. Donc quand Dieu veut sauver, il manifeste son amour pour rassembler l'humanité, pour appeler l'humanité vers lui, pour appeler les hommes vers lui, pour leur accorder le salut. Donc le salut que vous l'avez reçu par amour. Le salut que vous avez en Jésus, vous l'avez reçu uniquement par amour et par grâce. Vous n'avez pas reçu ce salut par ce que vous savez faire, ou ce que vous faites, ou vos œuvres, mais vous l'avez reçu par la manifestation de l'amour de Dieu. Donc celui qui a accès à cet amour, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Alléluia. Celui qui a accès à cet amour est en réalité quelqu'un qui connaît Dieu et qui commence à être initié dans la connaissance spirituelle des choses d'en haut, des choses de Dieu. Lorsque nous étions pécheurs, l'amour s'est manifesté. Lorsque nous ne connaissons rien, l'amour a été manifesté. Lorsque nous étions païens, l'amour aussi a été manifesté. Dans quel but? Pour vous sauver. Alléluia. Prenez-moi le livre de Colossiens. Colossiens 2, le verset 13. Colossiens chapitre 2, verset 13, qui est le nom de Jésus. Vous qui êtes mort par votre cross et par l'inconstitution de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toute notre France. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconstitution de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a fait par quoi? Il a fait par amour. Il a fait par amour envers vous. Et c'est pourquoi il s'est humilié lui-même. Et il est devenu semblable à un simple homme. Comme nous le dit Philippiens 2, 6, 5 à 9. Il s'est devenu semblable au Fils des hommes. Et quand il est devenu semblable à un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est par cette obéissance et cette soumission que nous avons reçu la vie. Quel est l'enseignement que Dieu veut nous donner? Il est en train de nous montrer qu'en réalité, nous devons briser notre orgueil. Nous devons briser notre connaissance que nous croyons avoir si nous voulons évoluer avec lui. Nous devons d'abord ramener la balle à terre. Bah, peut-être que déjà tu crois que tu connais Dieu. Ou tu crois que par tes œuvres, tu peux être sauvé. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'apprend que rien ne s'obtient par la force en esprit. Rien ne s'obtient par la force ou bien le déploiement des capacités humaines, mais que tout s'obtient uniquement par l'amour. Tout gravite autour de l'amour de Dieu. Et pour avoir accès à Dieu, pour connaître Dieu, pour aller dans les profondeurs avec Dieu, il faut que tu sois une personne, je ne sais pas comment je vais le dire, mais une personne aimable ou bien aimante, une personne qui sait donner et qui sait transmettre l'amour. Parce que Dieu qui est grand, pour sauver l'humanité, il a manifesté l'amour. Et son amour qui a été manifesté était la présence de Jésus qui était venu pour sauver les hommes. Est-ce que vous croyez que si Dieu n'est pas amour ou si Dieu n'a pas manifesté son amour,
il peut sauver les hommes qui sont dans le péché? Est-ce que vous croyez que l'amour de Dieu est pour les justes ou ceux qui ne pratiquent pas les justices? L'amour de Dieu est pour qui? L'amour de Dieu se manifeste pour ceux qui ne sont pas justes, pour ceux qui n'ont aucune connaissance de Dieu, pour ceux qui se sentent déjà perdus, pour ceux que le monde a rejetés. C'est pour ceux-là que l'amour de Dieu est manifeste. C'est à ceux-là que Dieu se présente comme étant le Dieu d'amour. Et quand il vient, il leur parle de l'amour. Quand ils ont accès à l'amour, ils ont accès à toute la connaissance de Dieu. Amen. Ne cherchez pas la connaissance ailleurs. Si vous voulez connaître Dieu, vous devez être des personnes humbles. Si vous voulez grandir avec Dieu, il faut que l'orgueil en vous meure. Parce que Dieu lui-même a laissé son orgueil, il a laissé son autorité. Étant semblable à Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Il était égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un seul homme, et c'est en ce moment que nous, le salut nous a été accordé. Donc pour recevoir quelque chose spirituellement, ou pour obtenir quelque chose dans l'esprit, il faut être des personnes humbles. Et l'amour aussi se retrouve dans le caractère humble de Dieu. L'apôtre Jean est l'apôtre qui nous a beaucoup parlé de l'amour de Dieu dans ses épîtres. Il a montré comment Dieu est le Dieu de l'amour. Comment Dieu manifeste son amour aux hommes. Comment Dieu est l'amour lui-même. Et cet amour, c'est sa parole et sa vérité qui se manifeste. Lisez-moi 1 Jean 4, verset 16. Un Jean chapitre 4, verset 16, qui est le nom de Jésus. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Wow. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit, nous connaissons que Dieu est amour. Hein? Et celui qui demeure en Dieu demeure dans l'amour, c'est ça, non? Oui. Et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. Celui qui demeure dans l'amour est en Dieu et Dieu est en lui. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pourquoi? L'amour de Dieu, en réalité, c'est les commandements de Dieu. Celui qui a l'amour de Dieu a accès aux commandements de Dieu. Mais celui qui n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur, il n'a pas les commandements de Dieu. La loi et tous les prophètes aujourd'hui se résument en quoi? Se résument en l'amour. Parce que le Dieu qui se révèle dans le Nouveau Testament est le Dieu qui apporte une nouvelle ère par l'amour. Tu ne peux pas marcher ou vivre dans la sainte doctrine sans l'amour. On ne vit pas une vie chrétienne sans amour. Quand je parle de l'amour, ça veut dire quoi? Quand je vis ma vie chrétienne avec le Seigneur, quand je vis et je respecte ou bien j'obéis au commandement du Seigneur, Je le fais avec un esprit de quelqu'un qui a reçu tout gratuitement et non de quelqu'un qui donne seulement. Ça veut dire quoi? C'est pas amour que je me sanctifie. C'est pas amour que je prie. C'est pas amour que je suis debout. C'est pas amour que j'évangélise. C'est pas amour que je fais toutes choses. Parce que l'amour de Dieu au départ a été manifesté. Et c'est par l'acceptation de l'amour de Dieu que j'ai été introduit dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tout s'obtient par amour. Tout est admiré par l'amour. Tout brille par l'amour. Donc si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, l'amour divin, l'amour qui sait les autres, l'amour qui s'humilie, en réalité tu n'es pas prêt pour vivre la vie de l'esprit. Parce que la vie de l'esprit commence d'abord par l'acceptation de l'amour de Dieu. Alléluia. Qui comprend? Est-ce que tu es prêt à vivre l'amour de Dieu? À manifester l'amour de Dieu? Alléluia. En quoi consiste réellement l'amour de Dieu? Qui va me répondre à cette question? En quoi consiste l'amour de Dieu? On fait l'autre. Tu es là?
Oui, je pense. En quoi consiste réellement l'amour de Dieu? Pour moi, l'amour de Dieu consiste à marcher sur ses commandements, à marcher sur ses commandements, l'amour de Dieu pour toi, c'est pour toi, oui, c'est selon la Bible. C'est selon la Bible, parce que tu as des esprits. L'amour de Dieu, c'est lorsque nous marchons dans ses commandements. C'est lorsque nous apprenons à vivre dans ses commandements. Vous allez me prendre Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens chapitre 5, verset 2, je lis dans le Jésus. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à nous, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice pour bon odeur. Alléluia. Il dit, devenez mes imitateurs, les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Christ a fait quoi? Christ a obéi à Dieu. Christ s'est soumis à Dieu. Il a été obéissant jusqu'à la croix et même jusqu'à la mort de la croix. Donc nous aussi, nous devons être obéissants. À qui? À Christ. Parce qu'on nous dit d'être les imitateurs de Christ. Christ a obéi à Dieu. Il s'est soumis. Il s'est rendu serviteur. Et nous devons obéir à qui? À Christ et à ses commandements. Et les commandements de Christ sont des commandements spirituels. Des commandements qui nous font marcher dans la parole du Seigneur et qui nous ouvrent les yeux. Qui nous montre la lumière de Dieu. Ce sont des commandements que Dieu lui-même a inscrits dans notre cœur, dans notre vie, pour que nous puissions les pratiquer. Et les pratiquer lorsque nous acceptons l'humilité par l'amour de Dieu que nous recevons. Tant que tu n'acceptes pas l'amour de Dieu, l'humilité également, tu ne peux pas vivre les commandements de Christ. Il faut être d'abord humble. Il faut aimer avant d'être serviable et aussi d'être. D'être obéissant et d'être obéissant à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. 1 Jean 3, verset 16. Un Jean chapitre 3, verset 16, je le nom de Jésus. Nous avons connu l'amour. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et c'est pourquoi nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Tu dois exercer l'amour autour de toi. Tu dois donner l'amour si tu veux recevoir en retour. Tu dois être, à partir d'aujourd'hui, tu dois, parmi l'assemblée, ou bien au milieu de l'assemblée, dans l'assemblée, tu dois être la personne qui aime le plus. Tu dois te dire, toi, c'est l'autre, tu dois dire, je suis la personne qui doit aimer et doit servir tous les autres. Depuis l'assemblée jusqu'aux hommes de Dieu, jusqu'aux serviteurs de Dieu. Parce que Dieu aussi a été amour. Dieu aussi a servi. Dieu aussi s'est humilié. Dieu aussi est venu pour sauver les hommes. Donc moi qui suis-je pour ne pas être aussi amour comme Dieu? Je dois aussi être serviable. Je dois aussi aimer mes frères. Je dois aussi aimer mes soeurs dans la foi. L'amour cherche quoi? Nous allons comprendre. Nous
nous allons continuer là. La parole est là. Nous avons trois grands caractères de l'amour que je vais vous présenter. Qui sont la bonté, la justice et la vérité. L'amour se trouve dans la bonté. L'amour se trouve aussi dans la justice et l'amour se trouve également dans la vérité. Il n'y a pas d'amour sans de bonté. Il faut être bon envers les autres. C'est ce que le Seigneur nous apprend. Quand tu as l'amour dans ton cœur, tu n'es pas prêt à vivre jugé. Celui qui a l'amour, il observe, il analyse avant de pouvoir porter un jugement. Parce qu'il se dit, si je parle directement, peut-être je vais blesser mon frère. Il se soucie du bien-être de son frère, du bien-être de sa soeur, et cela le pousse à ne pas directement blesser son frère, mais à réfléchir à ce qu'il faut pour que son frère soit ou reçoive la bonté. Quand tu veux parler, est-ce que tu réfléchis à ce que tu dis? Est-ce que tu penses à ce que tu dis? Vous êtes dans l'église, vous êtes ensemble. Et le Seigneur veut qu'il y ait l'amour au milieu de vous. Parce que lorsque l'amour est au milieu de vous, c'est là que vous vivez la sainte doctrine. Si l'amour n'est pas au milieu de vous, la sainte doctrine n'est pas aussi là. C'est comme si vous respectez des lois charnelles qui ne vous donneront pas la vie. Et si vous ne manifestez pas l'amour dans le respect, même des commandements, d'un petit commandement de Dieu, vous n'entrerez pas au ciel. Parce que tout a été donné par amour. C'est pour dire, vous avez reçu gratuitement, mais vous aussi donnez gratuitement. Parce que ce n'est pas amour que Dieu nous a tout donné. Ou bien quelqu'un a fait quelque chose pour recevoir de Dieu. C'est parce que tu as fait quelque chose, c'est parce que tu es intelligent, c'est parce que tu es sage, c'est parce que tu es connaisseur. Non! C'est parce que Dieu lui-même s'est rendu humble et qu'il a manifesté son amour que tu as accès à cette vérité que tu as aujourd'hui. Peut-être que ton frère ne connaît pas ou n'a pas le même niveau que toi. Il n'a pas la même connaissance que toi. Il a commis une erreur, il a commis une faute. Pour que tu le reproches, tu dois le faire avec amour. Mais lorsque tu commences à crier sur lui, tu commences à lui envoyer un jugement. Parce que tu penses que tu es plus fort ou tu es plus sain que lui. Et là, tu commences à le juger. L'amour est quoi? Compatissant. Et quand on manifeste l'amour, on manifeste la bonté. L'amour se trouve aussi dans la justice. Quelqu'un qui a l'amour réel doit manifester aussi la justice. Il ne doit pas être quelqu'un de déloyal, quelqu'un de qui fait des choses malfaisantes, qui ne respecte personne. Il doit être juste dans tout ce qu'il fait. Il doit être honnête dans tout ce qu'il fait. Donc l'honnêteté étant la justice est aussi la base de toute vie spirituelle réussie en Jésus. Alléluia. L'amour, c'est comme la lumière qui vient pour nous éclairer. Et l'amour étant la lumière, est aussi le salut de Dieu qui est sur notre vie. Et le soleil de la justice qui se lève sur nous. Et celui qui a l'amour aussi vit dans la vérité. Parce que l'amour, c'est la vérité. Quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, en réalité, il parle de l'amour. Parce que l'amour montre le chemin. L'amour donne la vie. Et l'amour montre aussi la vérité. Alléluia. Cela se trouve dans Éphésiens 5, 9. La bonté, la justice et la vérité. Garde ça dans ton cœur. La bonté, la justice et la vérité. Pour pratiquer l'amour, il faut avoir la bonté, la justice et la vérité dans ton cœur. Éphésiens, chapitre 5, verset 9, dans le nom de Jésus. Car le fruit de la lumière en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Tu me vis dans la lumière, mais tu n'as pas la bonté dans ton cœur. Comment est-ce que tu veux vivre dans la lumière? Parce que le fruit réel de la lumière se trouve dans la bonté, dans la justice et dans la vérité. Celui qui veut ne veut pas vivre dans les zones futures des ténèbres. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse?
Il faut qu'il recherche la bonté de Dieu, la justice de Dieu et la vérité de Dieu. Ce n'est pas lorsqu'il commence à condamner directement les œuvres des ténèbres. S'il n'a pas la bonté dans son cœur, s'il n'a pas la justice en lui et s'il n'a pas la vérité de Dieu en lui, il est toujours dans les ténèbres. Parce que la justice, la bonté et la vérité nous conduisent à la lumière de Dieu. Celui qui a ces trois choses demeure dans la lumière de Dieu. Et la lumière, c'est le salut. Donc tu ne peux pas être un véritable enfant de Dieu. Tu ne peux pas être quelqu'un qui marche selon l'esprit si au préalable tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Donc à partir d'aujourd'hui, quand on vous dit marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les cheveux ou les désirs de la chair, voyez en même temps l'amour. Si vous voyez que dans votre vie, l'amour manque tellement, vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, sachez que vous n'êtes pas une personne spirituelle. On examine un homme spirituel par la quantité, sa quantité à être humble, à être serviable, c'est-à-dire à servir les autres et aussi à manifester de l'amour au bout de nous. Quand je dis l'amour, ce n'est pas seulement aux frères qui sont en Christ, même l'amour aux païens qui sont dehors. L'amour aux non-croyants, l'amour à un musulman. Ou bien tu te dis, il est en enfer. Donc comme il est en enfer, il est ainsi aussi. Donc Dieu ne l'aime pas. Est-ce que tu crois que en toi et lui, c'est toi que Dieu aime? En toi et un musulman, Dieu aime le musulman plus que toi. Est-ce que tu sais ça? Non, tu ne sais pas. Dieu aime celui qui est dans le péché qui veut sauver. Dieu, il a bien fini avec celui qui a fini avec le péché. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas venu pour les saints, mais je suis venu pour les malades, pour les soigner. Mais toi, tu crois que Dieu est venu pour les gens de l'église. Et c'est pourquoi tu juges vite les frères. Tu juges les frères, tu juges les soeurs. Tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Tu ne manifestes pas l'amour. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut que vous reveniez à la base. L'amour. Il faut que l'amour abonde dans votre cœur. L'amour doit se manifester dans tout ce que vous faites. Alléluia. Parce que Dieu est quoi? Dieu est amour. Dieu est amour. Et nous devons manifester l'amour tout autour de nous, en toutes choses. Toute la parole de Dieu nous apprend cela. Ce n'est pas amour qu'il a donné sa vie pour nous. Il a dit qu'il donne lui-même sa vie et personne ne lui retire sa vie. Mais c'est lui-même qui donne. Il le fait uniquement par amour. Alléluia. Lisez-moi Marc 2, verset 15 à 17. Marc chapitre 2, verset 15 à 17, dit le nom de Jésus. Comme Jésus était à table dans la maison de Dieu, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples. Oui. Car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens pouvaient manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dit à ses disciples. Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Est-ce que vous avez compris? Il dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Or, même ceux qui se faisaient appeler justes en ce temps n'étaient même pas des justes. Ils étaient tous des pécheurs. Mais ils étaient orgueilleux et ils pensaient qu'ils étaient des justes. Il dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Les pécheurs sont ceux qui ont besoin de l'amour de Dieu. Sont ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Donc nous qui sommes les enfants de Dieu, qui veulent vivre une vie spirituelle, c'est-à-dire la vie de notre Seigneur, la vie de l'Esprit, il faut que nous soyons des personnes qui aiment comme notre Seigneur aime.
Si tu n'aimes pas, tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu. L'amour, c'est aussi la vérité. Mais lorsque l'amour dit la vérité, elle parle pour ramener. Elle parle pour enseigner, pour exhorter, pour édifier et non pour repousser. Si toi, ta vérité, c'est de repousser la personne, c'est de repousser la personne, tu n'as pas l'amour. Je vais prendre un exemple. Un exemple simple. Un frère a péché dans l'église. Un frère a commis un péché. Et tu as appris cela, que le frère a commis le péché. Quelle doit être ta réaction? Ta réaction ne doit pas être ceci. Tu viens, tu commences à dire au frère, pourquoi tu as fait ça? Ne sais-tu pas que le Seigneur n'est pas ça? Le Seigneur va te juger. Le Seigneur juge les hommes injustes. Tu ne sais pas que c'est l'enfer qui t'attend. En faisant ça, tu deviens juge de ton frère. Or, on ne t'a pas appelé à être juge de ton frère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand un frère pêche, ça te conseille toi. Ça conseille aussi tous les hommes de Dieu qui sont ici. Quand un frère pêche dans l'église, on ne lui rappelle pas son offense d'abord. Mais on l'appelle et on lui enseigne. On l'exhorte et on le sort du trou, on le console. Et c'est après cela maintenant, quand il finit de dissoudre la culpabilité qui est dans son cœur, on peut maintenant lui apprendre à ne plus faire cela. On peut maintenant lui donner ou bien le prévenir de ce qu'il a fait. Je vais donner l'exemple simple. Quelqu'un est tombé dans un trou et tu viens voir la personne. La personne crie et dit sauve-moi du trou. Mais dans le trou, tu commences à te dire, tu ne voyais pas la pierre qui était là, on ne t'a pas dit qu'il y a un trou là, pourquoi tu es passé par là? Pourquoi? Est-ce que c'est le sang qui a dit de parler? Non, la personne est mourante. Elle est dans le trou. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord sauver la personne. Quand tu finis de sauver la personne, tu peux crier. Tu peux dire pourquoi tu es passé par là. Je ne t'avais pas refusé de le faire. Là, il peut maintenant t'écouter. Maintenant, dans le trou, tu commences à crier sur lui. Tu commences à faire à reprocher, à lui donner des reproches sur ce qu'il a fait qui n'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de l'enfoncer encore. Tu es en train de le tuer encore. Tu es en train d'appuyer le clou dans son cœur. Tu deviens comme le diable, l'accusateur, qui maintenant l'accuse et le pousse maintenant à bout. C'est là le frère va maintenant quitter l'église. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va poursuivre dans son péché. Le frère n'a pas vu en toi quelqu'un qui voulait le ramener. Peut-être toi. Ce n'est pas la mauvaise manière pour toi. Pour toi, c'est que tu ne veux pas que le frère fasse le mal. Ce qu'il a fait n'est pas bien. Et toi, tu veux lui reprocher. Mais tu as utilisé la mauvaise manière. Tu n'as pas manifesté l'amour pour pouvoir sauver cette personne. Et en ce moment, ce frère, sa conscience sera jugée. Parce que quelqu'un qui a commis un péché, c'est quelqu'un qui est blessé spirituellement. Étant blessé, il sait. Mais quand toi tu viens, c'est pour faire quoi? C'est pour bander la plaie. C'est pour essuyer la plaie et pour guérir la plaie. Mais en même temps, tu commences à tirer dans la plaie. Tu commences à remuer la plaie. Comment est-ce que cette personne sera guérie? Elle va encore céder et finalement, elle va mourir. Et quand elle va mourir, elle n'est pas sauvée. Ce que tu redoutais, ce que tu refusais, ce que tu interdisais, ou bien ce que tu ne voulais pas, c'est ce que tu as fait finalement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la bonne manière de pouvoir le faire. Et c'est ce que Jésus savait faire. Quand la femme adultérienne était attrapée, on voulait la tuer, n'est-ce pas? Les pharisiens de l'époque voulaient la tuer, ils avaient déjà le pied. Ils sont là pour la condamner, pour la juger. Quand Jésus est venu, il leur a dit que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais commis d'iniquité lui jette la première pierre. Mais ils sont restés bouche bée parce qu'ils savaient qu'en eux, il y a aussi d'iniquité. Et après cela, le Seigneur lui a dit, où sont tes persécuteurs? Où sont ceux qui te condamnent? Va maintenant en paix. Mais ne pêche plus. Ne pêche plus. Le Seigneur ne veut pas que tu pêches. Le Seigneur ne veut pas que tu commettes le péché. Mais lorsque le frère parmi vous pêche, appelez le frère et exhortez-le. C'est lorsque vous utilisez la mauvaise manière que le frère commence à se rebeller. Ou que la soeur commence à se rebeller. Pourquoi? La personne est déjà souffrante. C'est déjà un chagrin pour cette personne. C'est déjà quelque chose de pénible. C'est comme un louvre que cette personne porte. Et le
sais pas à qui décharger cela. Mais quand toi tu viens, au lieu de, d'enlever le fardeau, tu ajoutes fardeau pour fardeau. C'est comme, c'est pourquoi la personne se met en colère, devient comme une personne enragée. Et tu vas dire que la personne est rebelle. Oh, il n'est pas d'accord rebelle. C'est ce qui lui arrive et que tu n'as pas compris, tu n'as pas suggéré de la bonne manière qui fait que cette personne se révolte contre toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le Seigneur veut que les attitudes changent. Il faut que l'amour de Dieu qui surpasse toutes choses, qui est l'accès à la connaissance, se manifeste dans votre vie et dans votre cœur. Alléluia. Nous allons lire deux grands chapitres. Le chapitre 2 de Jacques et le chapitre 1 de Jean. Mais bien avant, vous allez me lire essentiellement deux versets. 1 Jean 4, 18 et Jacques 2, 13. Avant de me lire tout le chapitre. Jean chapitre 4, verset 18 du nom de Jésus. Oui. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. La crainte suppose quoi? Un châtiment. Un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend ce passage? Il faut relire ça. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Oui. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait parmi la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et l'amour parfait bannit la peur. Bannit la crainte, c'est ça, non? L'amour parfait bannit la crainte. Lorsque tu es constamment dans la peur, tu n'es pas dans l'amour et tu ne vis pas dans l'amour. Et tu ne connais pas l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que tu es dans la peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce que c'est Jésus qui te fait peur? Jésus te fait peur, frère. Non, tu es chrétien, mais tu es constamment dans la peur. Qui te fait peur? Ou bien c'est le diable? Le diable qui est vaincu, qui est parfait. C'est lui qui te fait peur? Non! Vous ne devez pas être constamment dans la peur. Vous devez être libéré de la peur. Vous devez être libéré de cette psychose ou de cette peur qui vous anime. Je ne sais pas si c'est les démons qui vous font peur ou c'est les petites souris qui vous font peur. On dit l'amour parfait bannit la crainte. Celui qui vit dans l'amour de Dieu, il n'a peur de rien. Il n'a même pas peur du péché. Ou bien c'est le péché qui vous fait peur. Devant le péché, vous avez tellement peur. Et vous voulez tellement éviter le péché que vous avez peur. C'est lorsque tu as peur du péché, en réalité, que tu vas pécher. Ceux qui ont peur du péché sont ceux-là qui pêchent en réalité. Moi, je n'ai pas peur du péché parce que c'est que j'ai vécu le péché. Parce que Galates 5, dit, ceux qui sont à Christ ou à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. Ce n'est pas qu'ils crucifieront la chair et ses passions. Ils ont crucifié la chair et ses passions. Et parce qu'ils marchent dans l'amour, la chair et ses passions ne peuvent plus maintenant lui imposer leur autorité, lui imposer leur loi, lui imposer leur pouvoir. Non, parce qu'il n'est pas sous la domination de la chair, il n'est pas sous la crainte, il n'est pas dans la peur, mais il est dans l'amour parfait. C'est la crainte du mal qui te pousse à commettre le mal. À partir d'aujourd'hui, ne crée plus le mal. Amen. À partir d'aujourd'hui, ne crée plus le péché. Tu as vécu le péché. Amen. Celui que tu dois craindre, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Celui que tu dois craindre, c'est le Seigneur. Et non le péché, et non le mal. Beaucoup de chrétiens sont tellement vaincus par le péché que quand ils entendent même le péché, tellement ils sont peur. Ils ont la crainte. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez cette crainte? Job dit, ce que je crains, c'est quoi? Ce qui m'arrive. Ou bien c'est moi qui mens. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est lorsque tu fuis que ça va t'arriver. C'est
C'est lorsque tu as peur que ça va t'arriver. Devant le péché, je n'ai pas peur. Parce que déjà, psychologiquement, Jésus a changé ma pensée. C'est pourquoi j'ai aimé les pensées qui étaient en Jésus. Pourquoi Jésus a vécu sans avoir péché? Parce qu'il ne pensait même pas au péché. Il n'avait pas la connaissance du péché. Il a fini avec cela. Pourquoi Jésus a vaincu les démons? Parce qu'il, devant les démons, il mettait les démons à leur place. C'est pourquoi il dit, je voyais dans Luc 10, 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, la connaissance que moi je vous donne, l'amour que je vous donne, bannit toute crainte en vous. Ça bannit toute peur en vous. Et vous ne devez pas avoir peur. Si tu as peur, tu ne peux pas vivre la vie de l'esprit. Tu ne peux jamais vivre des expériences avec Dieu. Sinon, lorsque tu seras en train de prier, et un homme de Dieu va t'apparaître, tu vas fuir. Tu vas dire que c'est un démon. Parce que tu ne connais pas les choses spirituelles. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a encore peur? Tu as peur? Soyez délivré de la peur au nom de Jésus. Amen. Soyez délivré de la peur. Amen. Vous devez craindre le Seigneur, mais vous ne devez avoir peur de rien. La crainte qui vous anime doit être la crainte envers la parole de Dieu. La crainte dans l'obéissance et la soumission de la parole de Dieu. Ça, c'est l'amour véritable. Mais la crainte qui vous pousse à avoir peur de ne sais pas de quoi, ça, cela vient du diable. C'est le diable qui produit la peur en toi. Quand tu vois que constamment tu es dans la peur, sache que c'est le diable qui produit cette peur dans ton cœur. Alléluia. Nous allons continuer. Après 1 Jean 4, 18, j'ai dit quoi aussi? Jacques 2, 13. Jean chapitre 2, verset 13, dit le nom de Jésus. Car le jugement est sans miséricorde pour qui a... Je viens. D'accord. Commence par le 12 et finis au 13. Jacques chapitre 2, verset 12 à 13, c'est le nom de Jésus. Oui. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde. Le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde. Waouh, ça m'intéresse. Hein? Le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Parlez comme, parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Ça dit quoi? Quand je parle comme devant être jugé par une loi de liberté, je parle aussi de faire du jugement. Je parle aussi de tous ceux qui sont auprès de moi, ou tous ceux qui sont proches de moi, ou tous ceux qui me font même du mal, je les épargne du jugement. Ce jugement vient à les condamner directement dans leurs actes, sans pour autant les relever. Et celui qui a fait miséricorde, on lui fera aussi miséricorde. Parce qu'on sera jugé par ce qu'on a donné et ce qu'on a fait. Donc si tu ne fais pas miséricorde, on ne te fera pas aussi miséricorde. Si tu es un chrétien qui ne fait jamais miséricorde, on ne te fera pas aussi miséricorde. Donc tu dois apprendre à partir d'aujourd'hui à être miséricordieux. Dans Matthieu 5, Jésus dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça veut dire quoi? Lorsque tu pratiques la miséricorde, même devant le Seigneur, on te fera miséricorde. Amen. Parce que Dieu sait que tu es sans, tu n'es pas sans péché. Toi qui ne fais pas miséricorde, tu es aussi, tu n'es pas sans péché. Tu es reprochable. Tu n'es pas irréprochable. Donc si tu ne pratiques pas la miséricorde, Dieu ne te fera jamais de miséricorde. Tu es là toujours à
condamner, à juger. Quand un frère qu'on fait quelque chose, tu es là à juger, à condamner. Devant le Père, il ne te fera pas aussi miséricorde. Parce qu'on te jugera selon la base de comment tu as jugé aussi les autres. C'est pourquoi Jacques dit, parlez et agissez comme nous devons être, ou comme nous devons être jugés par une loi de liberté. Ça veut dire quoi? Il faut promouvoir la liberté tout autour de ça. Lorsque le jugement intervient, l'on condamne, mais l'on ne relève pas. Mais lorsque la miséricorde intervient, l'on ne condamne pas la personne, l'on condamne le péché, le mal, et l'on sauve la personne. La miséricorde délivre, mais le jugement fait quoi? Le jugement condamne et enfuit encore dans le mal. Quand tu veux délivrer quelqu'un, n'adopte pas le jugement. N'adopte pas ce moyen de pouvoir lui rappeler ou lui rappeler seulement ce qu'il a fait de mal. C'est là que tu l'emprisonnes encore. Et tu lui dis maintenant, tu peux pécher. Il faut continuer seulement. Parce qu'il sait que devant toi, il ne va pas le faire. Et lorsqu'il va quitter, il ne va le faire. Parce que tu ne lui as pas montré le sens de la miséricorde de Dieu. Alléluia. S'il faut connaître ces choses, si vous voulez vivre la vie de l'esprit. Sinon, vous serez toujours comme des bébés spirituels, comme des enfants spirituels. Dieu est amour. Et ses enfants aussi doivent être amour. Que ce soit avec les chrétiens, que ce soit avec les païens. Tu vois quelqu'un qui mène une mauvaise vie. Et tu commences à te moquer de lui. Tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Parce que Dieu au ciel, quand il voit quelqu'un dans une mauvaise vie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour sauver cette personne. Mais toi, tu commences à te moquer de la personne. Non, toi tu iras en enfer. C'est l'enfer qui t'attend. Comment est-ce que l'enfer l'attend? L'enfer, c'est une bonne chose? Non, dites-moi, l'enfer c'est une bonne chose? Non. Ou bien l'enfer c'est une bonne chose? Mais pourquoi tu as la facilité d'envoyer les gens en enfer comme ça? Il faut que la miséricorde et l'amour travaillent dans ton cœur. Abondent dans ton cœur. Si tu veux être élevé spirituellement, il faut que la miséricorde abonde dans ton cœur. Il faut que l'amour abonde dans ton cœur. Il faut que l'amour triomphe du jugement. L'amour doit triompher du jugement. L'amour relève la faute, mais l'amour donne la solution. Or, le jugement relève seulement les fautes. Le jugement relève les fautes. Il condamne. Tu iras en enfer. Tu lui dis qu'il ira en enfer. Maintenant, il faut lui montrer comment il fera pour ne pas aller en enfer. Tu lui dis, tu as péché. Dieu ne t'aime pas. Mais il faut lui dire comment il fera maintenant pour ne plus pécher ou pour ne pas que Dieu ne l'aime plus. Donc vous devez enlever tous les faux raisonnements que vous avez en vous. Si vous voulez grandir spirituellement, toutes les fausses connaissances que vous avez, il faut les enlever à partir d'aujourd'hui. Il faut les déposer pour vivre et grandir dans l'amour parfait de Dieu. Parce que l'amour est le décollage de toute chose. L'amour est le fondement de toute chose. L'amour est le socle de toute chose. L'amour, c'est la fondation d'une vie chrétienne glorieuse en Jésus-Christ. L'amour, c'est la sainte doctrine elle-même qui se manifeste. Alléluia. Maintenant, il faut me lire les deux chapitres. Voilà. Commence d'abord par le chapitre de Jacques. Et on va revenir sur le chapitre de 1 Jean 4. Jacques, chapitre 2, du nom de Jésus. Mes frères, que notre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si ton homme regarde celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout. Ou bien, assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction
Et de changer vos points sur l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Vous, vous agissez aux pauvres. Ne sont-ce pas les riches qui vous suppriment, qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas ceux, eux, qui vous trachent le bon nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Vous faites bien. Dis à ton frère, accomplis la loi royale. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, apprends à accomplir autour de toi la loi royale. C'est aussi la sainte doctrine. C'est la sainte doctrine spirituelle. C'est la sainte doctrine qui délivre, qui libère. Accomplis la loi royale. Aime ton prochain comme toi-même. Vas-y. Mais si vous faites acception de personne, oui, vous commettez un péché. Mm-hmm. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi ne pêche contre un seul commandement, mm-hmm, devient coupable de tous. Mm-hmm. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Mm-hmm. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Mm-hmm. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Voilà. Donc là, c'est tout ce qu'il a dit avant de dire le jugement, de parler comme devant être jugé par une loi de liberté. Nous ne devons pas faire acception de personne. Séparer la ségrégation raciale, ou minimiser certaines personnes dans l'église, ou ne pas accorder de la valeur à certaines personnes dans l'église, ou traiter les pauvres à part et traiter les riches à part. C'est de ça l'amour de Jean est en train de parler. C'est parce que l'amour de Dieu nous a tous aimés au même titre. Que nous soyons riches ou pauvres, l'amour de Dieu nous a tous sauvés et nous a tous choisis pour la vie éternelle. Alléluia. 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4, je vais vous demander Jésus. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Oui. Et qu'est-ce que l'esprit de la vérité nous apprend? Continue. Bien-aimé, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime, aime né de Dieu et connaît Dieu. Et connaît Dieu, c'est fini. Tu veux connaître Dieu, il faut aimer autour de toi. Parfois, les païens connaissent mieux Dieu que certains chrétiens. Pourquoi? Ils pratiquent la loi royale. Spirituellement, Dieu voit ceux qui pratiquent cette loi. C'est une loi universelle. Parce que la loi et les prophètes se résument dans un seul commandement. C'est le seul commandement qui triomphe de tout. Sinon, tu peux pratiquer toutes les règles de sainteté que tu veux. Si tu n'aimes pas, c'est toi qui iras en enfer. Parce que c'est par la pratique des règles de sainteté
ce n'est pas par la pratique des règles de sainteté que tu seras sauvé, mais c'est d'abord lorsque tu as l'amour et en plus de l'amour, tu pratiques toutes les règles. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mets de côté l'amour et pratique toutes les règles, tu ne seras pas sauvé. Parce que la première règle que Dieu donne à l'humanité, c'est quoi? C'est l'amour. Quand tu rejettes ça et tu te forces à faire les autres, tu ne connais pas Dieu. Ça veut dire que tu ne connais pas la vérité. Tu ne connais pas sa sainte doctrine. Donc, pour connaître la vérité, il faut retourner à l'amour. Si tu ne l'as pas aujourd'hui, tu vas pleurer et dire, Seigneur, je veux que ton amour habite en toi. Je veux apprendre à aimer. Je veux apprendre à aimer. Je veux apprendre à aimer désormais. Je veux apprendre à aimer mes frères. Les apôtres grandissaient dans l'amour. C'est pour dire qu'il y a une grande grâce qui reposait sur eux tous. Et sur toute l'assemblée. Pourquoi? Ils s'aimaient. Et c'est pourquoi ils pouvaient se voir tout le temps. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et dans la façon du Père. Dans les prières, dans les maisons. Et ils croissaient, ils grandissaient aux yeux de Dieu. Parce que l'amour régnait au milieu de Dieu. Au milieu de Dieu. Et c'est là la puissance de Dieu aussi se manifeste. Oui, continue. Celui et quiconque aime est de Dieu et connaît Dieu. Donc quiconque n'aime pas n'est pas de Dieu et ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Oui. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Oui. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Voilà. Afin que nous vivions. L'amour de Dieu consiste à ce que Dieu a envoyé son Fils envers nous. Oui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, wow, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Est-ce que vous comprenez quelque chose? La sainte doctrine ne consiste pas à ce que nous d'abord respectons des règles ou appliquons des règles pour toucher le cœur de Dieu, non. Mais d'abord, Dieu qui a apporté son amour devant nous. Et c'est en acceptant son amour et en voulant la pratiquer que nous pouvons maintenant appliquer toutes les règles que Dieu qui nous donne. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu premièrement. C'est Dieu qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé. C'est pour dire, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés premièrement. Donc c'est lui qui est venu vers nous. Et c'est lui qui nous apprend à aimer aussi en retour. Donc si nous n'aimons pas, nous ne le ressemblons pas. C'est comme si nous ne sommes pas ses enfants. Parce que si nous sommes réellement issus de Dieu, nous devons aussi avoir l'amour en nous. Oui. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Oui. Et son amour est parfait en nous. Et son amour est parfait en nous. Tu veux voir Dieu? Commence à aimer. Tu verras Dieu. Dieu n'est pas loin. Dieu se trouve dans l'amour parce que Dieu est amour. L'amour véritable, c'est lorsqu'on commence à servir ses frères, à servir les autres. Ne te vois pas au-dessus de tes frères. Tu peux être la plus grande ou le plus grand, mais regarde-toi comme le plus petit, et c'est en cela que Dieu va t'élever, comme le plus grand. Oui, vas-y. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Vous voyez comment Jean répète, il répète la même chose, n'est-ce pas? Ou bien il ne répète pas, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Pourquoi? Parce que tout se résume dans l'amour. Tout ce qu'on
nous enseigne ici se résume dans l'amour. C'est comme si on essayait de mettre l'amour dans votre cœur. Parce que toute la loi et les prophètes, tous les commandements, les ordonnances de Dieu se retrouvent dans l'amour. Il dit, la loi et les prophètes se résument dans aime ton frère comme toi-même. Mais nous, aujourd'hui, ce que Dieu nous recommande, c'est de nous aimer selon l'amour de Christ. Comme Christ nous a aimés. Parce qu'il y a certains qui ne s'aiment pas eux-mêmes pour aimer aussi les autres. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu vas aimer l'autre? Donc il faut aimer ton frère comme Dieu vous a tous aimés, selon l'amour que Dieu vous a tous donné. Hein? Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Il reprend la même chose. Hein? Tel il est, tel nous sommes. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est comme si Jean était avec Jacques et Jésus dit la même chose. Jacques dit la même chose que Jean, mais ils le disent d'une autre manière parce qu'ils sont des personnes différentes. Jacques dit, parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Et Jean, lui, il dit, c'est en aimant que nous sommes dans l'assurance au jour du jugement. Mes frères, mes soeurs, si vous ne pratiquez pas la miséricorde, croyez-moi, Dieu ne vous laissera pas entrer dans son royaume. Parce que Dieu est miséricordieux. Et ceux qui pratiquent la miséricorde, Dieu aussi leur donne, il leur fait miséricorde. Parce qu'il sait qu'en vous, il sait que selon la chair, dans la chair, le péché est à vos portes. Et c'est seulement par l'amour que vous pouvez vaincre le péché définitivement. Et c'est que vous commettez des fautes, vous commettez des erreurs. Qui peut me dire ici qu'aujourd'hui, il n'a pas commis une erreur? Qui peut lever sa main et dire ça? Qui? Personne ne peut le dire. Maintenant, si tu ne te comportes pas comme devant être jugé par une loi de liberté, et que partout tu te vois comme au-dessus de tout le monde, tu te vois comme le plus saint de la terre, parce que tu pratiques ta sanctification. Devant Dieu, ta sanctification est comme la boue. Ce n'est pas qu'il ne faut pas pratiquer la sanctification, non. Mais c'est pour dire que ce n'est pas dans toi, ta sanctification, que tu trouves ton salut. Ton salut se trouve dans ce que Dieu a fait pour toi, qu'il a prévu pour toi, qu'il t'a donné gratuitement. Le salut, c'est un don gratuit et éternel que Dieu nous donne. Et si nous acceptons cela, nous devons aussi manifester l'amour tout autour de nous. Si tu mets de côté l'amour, fais tout. Sois intelligent, sois connaisseur, enseigne, guéris les malades, fais tout. Mais tu n'entreras pas au ciel. Amen. Mais Dieu va faire de toi une personne qui a son amour dans son cœur. Acclame le Seigneur Jésus. Continue, continue la lecture. La crainte n'est pas dans l'amour. Quoi? Mais l'amour parfait bannit la crainte. Oui, oui, oui. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il aille son frère, sera un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu, oui, aime aussi son frère. En réalité, les disciples, ces disciples ont appris toutes ces choses du Seigneur lorsqu'ils ont marché avec lui. Ils ont appris tout ça du Seigneur. C'est pourquoi il dit, nous avons appris de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Parce que l'amour de Dieu, c'est quand tu aimes ton frère que tu vois. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment est-ce que tu veux aimer Dieu que tu n'as jamais vu? Toi, tu as vu Dieu une fois. Tu n'as pas vu Dieu, mais tu aimes. Tu n'aimes pas ton prochain, mais tu dis j'aime Dieu. Quand tu aimes, l'amour réel, c'est quand d'abord même la personne commet quelque chose que tu n'aimes pas, que tu lui montres son amour. Quand la personne est dans une faute, que tu lui montres son amour, c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça, avoir l'amour de Dieu dans son cœur. C'est pourquoi il dit, si vous aimez seulement vos frères, en quoi est-ce que vous êtes juste? En quoi est-ce que vous
aimer. C'est le publicain qu'il faut aimer. Celui qui te tape tout le temps, celui qui dit que tu iras, tu n'es pas sauvé, que tu n'as pas Dieu, celui qui dit que vous êtes perdu, celui qui vous insulte, celui qui vous combat, celui qui dit que vous êtes dans une secte, c'est ceux-là que vous devez d'abord aimer. C'est lorsque vous les aimez que vous pratiquez la sainte doctrine. Si vous ne les aimez pas, vous ne pratiquez pas encore la vérité. Il faut les aimer, il faut développer l'amour. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, c'est comme un apprentissage. Vous apprenez à aimer désormais, à aimer comme Dieu aime. Vous croyez que si Dieu n'est pas amour, on sera toujours en vie. L'humanité sera toujours en vie. Est-ce que vous croyez ça? Si Dieu n'est pas amour, combien de fois tu, dans une journée, tu demandes pardon à Dieu? Plusieurs fois, n'est-ce pas? Or, tu sais que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand tu pèches, il te fait grâce encore. Il te pardonne encore. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Maintenant, toi, Dieu te pardonne, mais ton frère a péché, tu le juges, tu le condamnes et tu le tues. Quand il dit tu le tues, ce n'est pas le danger. Non. Mais tu le tues par tes paroles. Tu lui envoies des flèches. Tu lui envoies des paroles qui affaiblissent encore tout à l'heure. Il se voit que moi, c'est fini. Moi, Dieu ne m'aime pas. C'est le pécheur qui nécessite l'amour de Dieu. C'est quand tu pèches que tu dois t'approcher de Dieu pour être pardonné, pour ne plus pécher. Et non, quand tu pèches, que tu vas fuir Dieu. Quand tu fuis Dieu, qui va te pardonner? Imagine, tu as péché, tu as commis le péché, n'est-ce pas? Et tu sais que c'est fini pour toi, normalement. Et maintenant, tu fuis l'église, tu fuis les hommes de Dieu, tu fuis la prière, tu ne pries plus. Qu'est-ce qui va t'arriver? Oui, maman, répondez. Derrière. Oui. Le micro, s'il vous plaît. Si tu as commis le péché, tu fuis l'assemblée, tu fuis les hommes de Dieu, tu te recroquevilles seul, oui. Tu m'as encore augmenté le péché. Merci. C'est là que la culpabilité, merci. La culpabilité va naître. Et cette culpabilité va te condamner totalement. Parce que tu as aussi passé ton temps à juger les autres lorsqu'ils ont péché. Parce que pour toi, tu croyais que quand on pêche, c'est fini. Dieu nous envoie en enfer en même temps. Que Dieu ne nous aime pas. Dieu ne pardonne pas. Il ne bâtit pas avec le péché. C'est vrai. Mais quand ça se passe avec quelqu'un d'autre et tu le traites durement, quand ça t'arrive, tu vois comme si c'est fini pour toi aussi. Parce que tu ne sais plus comment t'approcher des autres pour qu'on prie avec toi ou pour qu'on t'aide. Tu te dis, Dieu ne m'aimera plus. Dieu ne me pardonnera pas. Est-ce que Dieu peut me pardonner? C'est ce que l'humanité dit. Est-ce que Dieu peut me pardonner, moi, pécheur? Est-ce que vous n'avez jamais rencontré quelqu'un lorsque vous évangélisez et il vous dit, est-ce que Dieu peut me pardonner, moi? Ou bien, est-ce que moi, Dieu peut me pardonner? C'est les païens qui ont ça dans leur esprit parce qu'ils savent que Dieu n'aime pas le mal. Et pour eux, quand ils pêchent, ils doivent fuir Dieu. Quand ils commettent le mal, ils doivent fuir Dieu. C'est comme si le péché doit me faire fuir Dieu. Or, c'est pas ça. C'est quand je commets le péché que je dois tout faire pour m'approcher de lui, pour qu'il me pardonne. Et cela ne m'encourage pas à commettre aussi le péché. Cela ne me donne pas le crédit à vivre pour le péché ou dans le péché. Mais cela me dit que c'est en lui que mes péchés disparaissent. C'est lorsque je m'approche de lui qu'il m'aide à être délivré totalement du mal. Mais lorsque je suis et que je ne suis pas, le diable me récupère. Et c'est là que ta condition va être encore pire que la première. Donc le Seigneur veut que nous demeurions dans son amour, pleinement dans son amour. Sans son amour, nous ne sommes rien. Qui veut aimer comme Dieu? Qui veut apprendre à aimer, à exercer l'amour et la miséricorde autour de lui? Le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Hébreux 13, 1 à 3. Oui.
Hébreux chapitre 13, verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. N'oubliez pas l'hospitalité, car en les laissant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. C'est la même chose qui continue. Au premier verset d'abord, est-ce que tu as lu les premiers versets? Tu n'as pas lu ça. Il dit persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. S'il vous plaît, développez ça. Si vous voulez que l'église de Douala vive, grandisse, développez l'amour fraternel. Développez l'amour fraternel. Chers serviteurs, apprenez l'amour au peuple et manifestez vous aussi l'amour au peuple. Sans l'amour, tout ce que vous faites ici, c'est rien. Parce que c'est l'amour qui va venir, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que vous êtes retrouvé une fois? Non! C'est par l'amour de Dieu que vous êtes réunis et que vous êtes ensemble aujourd'hui. Si vous ne vous aimez pas au ciel, vous croyez que c'est sur la terre, vous croyez que c'est au ciel, vous allez vous aimer? Au-dessus de la terre, vous ne vous aimez pas. Est-ce que vous pouvez vous aimer au ciel? Des personnes qui sont appelées à vivre éternellement au ciel, mais qui sur la terre ne sait pas. Mais qui veulent rester au ciel éternellement. C'est dans l'amour que nous vivons le ciel sur la terre. Parce que le ciel commence sur la terre lorsqu'on vit réellement dans la vérité. On commence à vivre le ciel même étant sur la terre. C'est là qu'on peut, là, on peut vivre le ciel et en étant aussi sauvé et en étant après notre mort. Mais si on ne vit pas le ciel ici sur la terre, il nous sera difficile de vivre le ciel aussi dans le ciel. Ou bien si on ne sait pas sur la terre, il sera difficile qu'on sert au ciel. Parce que c'est ce qu'on a appris qu'on va manifester. Ce n'est pas que quand je vais mourir, je deviendrai extraordinaire. Voilà, je vais commencer à aimer. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'au ciel, on va toujours se voir. On va toujours se voir au ciel. Donc si je aime mon frère ici, Dieu aussi va me haïr. Dieu va me fermer la porte du ciel. C'est pourquoi il demande, il dit, faites comme si vous devez être jugé par une loi de Dieu. Ça dit quoi? Autour de vous, jugez les gens, mais apportez aussi la miséricorde. Que la miséricorde triomphe de tout jugement. Cette miséricorde est ce qui vous amène à sauver la vie de cette personne et non à condamner ces gens-ci. Le Seigneur nous parle, il parle à chacun maintenant. Si tu faisais mal, tu dois te repentir. Et cette repentance, c'est l'abandon total. Tu dois abandonner cette mauvaise manière de faire. 1 Thessaloniciens 4, 9. Thessaloniciens chapitre 4, verset 9, j'ai le nom de Jésus. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Wow. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Parce que vous avez appris à vous aimer les uns les autres. Ça, c'est tout, c'est ce que les apôtres ne cessaient de répéter à l'église, à toutes les églises qu'ils visitaient. Apprenez à vous aimer les uns les autres. Apprenez à vous aimer les uns les autres. Quand une sœur fait quelque chose contre une autre sœur, s'il vous plaît, quand tu es en colère, ne manifeste pas la colère. Laisse la colère partir. Déverse la colère. Laisse la colère partir. Mais c'est lorsque tu manifestes ta colère que tu commences à condamner ta soeur. Tu commences à voir ta soeur comme ton ennemi, comme ton adversaire. Et c'est là le diable se flippe et les troubles viennent. Nous n'avons pas tous les mêmes caractères dans l'église. Il y a certains qui ont un caractère fort, un caractère dur. Et il y a d'autres aussi qui ont un caractère humble. Que ceux qui ont le caractère humble tolèrent aussi le caractère fort et le caractère dur des autres. Par l'amour. Et ceux qui ont le caractère dur, à cause des œuvres,
s'unit aussi et après l'unité des autres. Cela veut dire quoi? Il faut que l'amour triomphe de tout. Si je veux poser une action, je veux poser un geste, je veux faire quelque chose, je dois réfléchir. Si je le fais, comment est-ce que mon frère va voir cela? Est-ce que je ne suis pas en train de lui faire mal? Est-ce que je ne suis pas en train de le blesser? Non, toi tu t'en fous, tu parles seulement. Tu parles mal seulement. Et tu ne te soucies pas de ce que tes paroles font. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand je dis quelque chose de bon, je transmets la vie. Mais quand je sors une mauvaise parole, j'envoie la mort. Et cela s'accomplit. Donc nous devons tout faire pour que notre langue, notre bouche, puisse dire des choses qui transmettent la vie autour de nous. La vie dans ceux qui nous écoutent, dans notre frère, dans notre soeur, et non la mort. Parce que nous sommes appelés à transmettre la vie de Christ que nous avons reçue. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tout le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand on vous parle du fruit de l'esprit, c'est qu'on vous dit de développer l'amour. C'est pourquoi vous allez voir que l'amour est le premier fruit de l'esprit qui a été cité. En réalité, c'est pour dire que tous les autres, la joie se retrouve dans l'amour. La paix se retrouve dans l'amour. La fidélité, c'est toujours l'amour. La bonté, c'est toujours l'amour. La tempérance, c'est toujours l'amour. Tous ces fruits se retrouvent dans l'amour parce que c'est le caractère divin. C'est le caractère même de Dieu. C'est la personnification de Dieu. Quand quelqu'un aime, il faut savoir qu'il a Dieu dans son cœur. Mais quand tu n'aimes pas, tout ce que tu fais, Dieu le voit comme la boue. Tu évangélises sous le soleil, oh. Tu évangélises, la pluie te frappe, oh. Tu pleures à cause de l'évangile. Oh. Si tu n'aimes pas, tu n'as pas Dieu dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, il faut que les choses changent. Si tu ne le faisais pas, il faut que tu demandes à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Le Saint-Esprit a voulu que nous donnions ce thème, cet enseignement aujourd'hui, pour ouvrir le sujet. Parce que sans l'amour, vous ne pouvez pas vivre des choses vivantes et surnaturelles avec Dieu. C'est ceux qui ont l'amour qui vivent les choses de Dieu. Parce que Dieu se révèle aux humbles. Il ne se révèle pas aux orgueilleux. Ce sont les humbles qui manifestent l'amour au milieu d'eux. Quand tu es orgueilleux, tu ne verras jamais Dieu. C'est quand tu es humble que Dieu peut te parler. Que Dieu peut t'enseigner. Parce que Dieu aussi est humble. Il marche avec les humbles parce qu'il est humble. Il marche avec les humbles parce qu'il est humble. Vous voyez, ça vous étonne. Quand on dit que Dieu est humble, ça vous étonne. Jésus lui-même dit, il dit, je suis humble et tout de cœur, n'est-ce pas? Il a dit, dans Matthieu 11, 28, lis-moi ça. Matthieu chapitre 11, verset 28, j'ai le nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vous. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus est doux et humble de cœur. Et tu dois apprendre à développer ce caractère de Jésus. Le caractère doux et le caractère humble de Dieu. Tu dois apprendre à le développer, à le manifester aussi autour de toi. C'est là que tu seras, ou bien tu commences à être un homme spirituel. Parce que les hommes spirituels sont ceux qui sont humbles. Sont ceux qui descendent totalement en bas, s'effacent pour grandir. Tant que tu n'es pas humble, parce que l'amour, c'est l'humilité. C'est pourquoi le Seigneur dit, je suis humble et doux de cœur. C'est un caractère de l'amour. Tant que tu n'es pas humble, tu n'auras jamais accès aux connaissances spirituelles. Tu n'auras
n'auras jamais accès au mystère de Dieu. Tu n'auras jamais accès à la connaissance profonde de Dieu. Tu seras toujours comme empêché de connaître. Parce que Dieu lui-même va jeter sur toi un voile. Jeter sur ton cœur un voile pour que tu ne le connaisses jamais. C'est pourquoi il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages de la terre et que tu l'as révélé aux petits enfants. Quand on demande à Jésus, qui sont ceux qui hériteront le royaume, il dit, ce sont ceux qui ressemblent à ces petits enfants. Le petit enfant, qu'est-ce qu'il fait? Tu le frappes le matin. Le soir, quand tu lui apportes un petit biscuit, il court vers toi. Pourquoi? Il n'a pas la haine dans son cœur. L'amour est là. L'amour, c'est quand le frère l'autre parle mal à la sœur Esther. Mais que la sœur Esther dissimule cela. Ne regarde pas ce que le frère l'autre a dit, mais aime toujours le frère l'autre et le considère toujours comme étant un frère. L'amour, c'est quand on te frappe, mais que tu aimes toujours. Et c'est pourquoi ceux qui ont l'amour dans le cœur, qui manifestent l'amour, sont souvent méprisés. Ils sont méprisés. Jésus aussi a été méprisé. On l'a tué à cause de l'amour. Parce que celui qui aime se rend toujours serviteur. Et les orgueilleux pensent qu'ils sont faits pour être serviteurs. Et qu'eux, ils sont ceux qu'on doit servir. Mais ne regardez pas à cause de ceux qui ne comprennent pas le vrai sens de l'amour ou qui vous méprisent quand vous envoyez l'amour pour changer. Ne changez pas. Demandez à Dieu que l'amour abonde tous les jours jusqu'à la fin de votre jour sur la terre. Parce que ce n'est pas en vous que vous avez été sauvé. Et vous devez manifester son amour tout autour de vous. Amen. Alléluia. Amen. Lisez-moi 1 Corinthiens 13. Ça, c'est le grand discours de l'apôtre Paul. Le grand discours de l'apôtre Paul. Oui. Quand Corinthiens chapitre 13, c'est le nom de Jésus. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un héros qui résonne. Pour le cymbale qui est entier. Wow. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les hommes. Attends, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? Ce qu'il est en train de dire, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a rien que tu puisses faire qui ne soit basé sur l'amour, qui peut réussir. Il n'y a rien que tu puisses faire avec Dieu qui peut réussir si cela n'est pas motivé par l'amour. Si cela, dans ton cœur, n'est pas motivé par l'amour. Si Dieu ne voit pas l'amour dans ton cœur, toute l'œuvre de Dieu que tu fais, tu peux bâtir de grandes choses. Pour Dieu, si ce n'est pas par amour, et que peut-être ce n'est pas orgueil, pour être vu par les hommes, que tu l'as fait en réalité, tu n'es rien devant Dieu. Et tu perdras toute ta récompense. C'est pourquoi je vous dis, ne vous confiez pas seulement à vos œuvres pour être sauvés. Vos œuvres ne sont pas ce qui vous sauvera, mais vos œuvres sont la conséquence que vous êtes sauvés. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Vos œuvres sont la conséquence que vous êtes sauvé. Quand tu produis de bonnes œuvres, cela montre que tu es sauvé. Et non que tu vas être sauvé. Donc on reconnaît quelqu'un qui est sauvé par les bonnes œuvres qu'il manifeste. Parce que le salut déclenche certaines choses. Mais si tu n'es pas sauvé réellement, et que tu essaies de dissimuler le fait que tu n'es pas sauvé en manifestant des bonnes œuvres ou des œuvres par orgueil, par amour personnel, par ce que toi tu désires uniquement, toi ta personne, tout autour de ta personne, et non à manifester l'amour de Dieu, que toi tes œuvres n'ont pas profondément l'amour de Dieu, alors ton salut même est acquitté. Ton salut n'est pas un salut réel, un vrai salut. Et tu es loin, loin d'être spirituel. Tu es loin d'être né de nouveau. Continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi
jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne peux rien. Il faut dire, si je n'ai pas l'amour, voilà. Si je n'ai pas l'amour, je ne fais rien. Et quand je distribuerai tout le bien pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Cela ne me sert de rien. Cela ne me sert de rien de faire toutes ces choses si je n'ai pas l'amour dans mon cœur. Oui. L'amour est patient. Mm-hmm. Elle, vous êtes plein de bonté. Oui. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. Il est plein de bonté. Il est patient. Mm-hmm. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. Si tu as l'habitude de te vanter à partir de Jésus, ne te vante plus. On commence à se vanter lorsqu'on croit tellement à soi-même au lieu de se confier en Dieu. L'orgueilleux méprise Dieu. Il oublie Dieu, mais il croit tellement en lui, mais lui seul. Tout revient à lui seul. C'est lui seul. Et il ne croit pas en Dieu. Il se vante. Il est un vantard. Dieu ne travaille pas avec les vantards. À partir de lui, il faut enlever ce vêtement. Vas-y. La mort de ce vent, il ne sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne cherche point son intérêt. Il ne sait point. Uh-huh. Il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne se réjouit point de l'injustice parce qu'il est justice. Uh-huh. Mais il se réjouit de la vérité. Parce qu'il est vérité. Oui. Il excuse tout. Il excuse tout. Il croit tout. Vous voyez donc pourquoi on méprise ceux qui manifestent l'amour? Parce qu'ils excusent tout. Quand tu excuses tout autour de toi, parfois même les gens commencent à te mépriser. Pourquoi? Parce que tu excuses tout. C'est pourquoi vous devez apprendre à avoir les mêmes caractères, les caractères de Dieu, les caractères de Christ. Oh, il y a souvent ceux qui disent ceci. Moi, on ne me fait pas ça. Moi, même quand j'étais dans le monde, je n'aime pas qu'on me parle mal. Tu n'aimes pas qu'on te parle mal. Mais est-ce que tu le fais conformément à la parole de Dieu? Tu veux marcher selon l'esprit, mais tu oublies cela. Marcher selon l'esprit, c'est vivre dans l'amour. Quand on vous demande d'être des hommes spirituels, on est fait vous demander juste d'être des hommes qui manifestent l'amour, qui vivent l'amour de Dieu. Et c'est ce homme-là qui dit, Seigneur, je ne peux rien sans toi. Seigneur, je sais que sans toi, je ne peux pas faire ceci. Seigneur, je sais que ce n'est pas ta grâce uniquement que je le fais. Et il prie pour les autres. L'amour, c'est aussi l'intercession et le ministère de l'intercession. Et c'est ce que le Seigneur Jésus fait, ce qu'il a fait et qu'il continue de faire jusqu'au jour. Qu'il continuera de faire jusqu'à ce que nous quittons ce monde. C'est l'intercession. À cause de l'amour, il intercède pour les autres. L'amour intercède pour les frères. L'amour prie pour les frères. Lorsque le frère tombe par amour, on le prend la main et on le relève. Mais on ne le juge pas, on ne le tue pas, on ne le décrit pas en même temps. Tu vas voir, c'est lorsque tu commences à le juger qui va se révéler contre toi. Parce que tu ne lui as pas manifesté l'amour. Mais lorsque tu lui manifestes l'amour, tu verras que le frère sera attaché à toi et il sera sauvé. Mais quand tu commences à le juger, le frère, tu vas le perdre. Parce que par colère, le frère se va partir. Parce que lui aussi, il n'a pas le fruit de l'esprit. C'est pourquoi il fait les choses mauvaises. Toi qui as le fruit de l'esprit, toi qui es sage, toi qui es debout, montre-lui la voie, montre-lui le chemin en lui montrant que tout se passe par amour, tout s'obtient par amour, tout se fait par amour et par miséricorde. Alléluia. Continuez. Il excuse tout. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il croit tout. Il espère tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il supporte tout. Il supporte l'injustice. Il supporte l'injustice. Vous devez apprendre à supporter l'injustice de vos frères, de vos soeurs. Si toi, tu n'apprends jamais à supporter l'injustice, tu ne peux pas rester en équipe. Tu ne peux pas rester en groupe avec les frères.
Toujours, il faut que toi, on te respecte. Parce que tu n'aimes pas qu'on te parle, mais tu n'aimes pas qu'on te blesse. Tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Tous ces caractères de l'amour, nous devons les développer. C'est le caractère divin, c'est le caractère de Dieu. C'est à cause de ça que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il est omniprésent, parce qu'il est fort, parce qu'il est puissant, parce qu'il est omniscient ou omnipotent. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il a créé le monde. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il a créé l'homme. Mais il est Dieu à cause de quoi? À cause de l'amour. Et c'est par l'amour qu'il a aussi créé le monde. C'est par l'amour qu'il nous a aussi créé. Et il a mis aussi en nous l'amour. Et maintenant il demande en retour d'être comme lui et de faire comme lui. Oui. L'amour ne périt jamais. L'amour ne fait pas, ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. C'est la seule chose qui reste pour toujours. C'est pourquoi j'ai dit l'amour, c'est la vérité. L'amour, c'est la sainte doctrine. Si tu n'as pas l'amour, tu ne vis pas encore la sainte doctrine. C'est pourquoi l'amour nous a été manifesté. Dieu nous a donné son amour. Il dit, en lui, j'ai mis toute mon affection. J'ai mis toute ma vérité. J'ai mis tout mon dépôt. C'est lui. C'est pourquoi il ne périt pas. C'est pourquoi Dieu aussi ne périt pas. C'est pourquoi la parole de Dieu aussi ne périt pas. Parce que la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu. Donc on ne peut rien faire sans l'amour de Dieu. Et si l'amour de Dieu, c'est aussi la grâce de Dieu. On ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. C'est fini? Continue. Les prophéties prendront fin. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Ça veut dire quoi? L'homme spirituel est quoi? Est l'homme qui aime. Est l'homme qui manifeste l'amour. L'homme spirituel n'est pas celui qui prophétise. L'homme spirituel n'est pas celui qui manifeste les langues. L'homme spirituel n'est pas celui qui guérit les malades. L'homme spirituel est d'abord celui qui a l'amour dans le cœur et qui manifeste l'amour. Quand tu commences à manifester l'amour, sache que tu commences à atteindre des dimensions élevées avec Dieu. Tu commences à pratiquer la vie de l'esprit. Parce que l'esprit ne peut rien donner sans amour. Il donne tout par amour. C'est à cause de l'amour que même les dons qu'il nous donne, il ne les reprend pas. Même si nous sommes dans le péché, même si nous sommes rebelles, il ne se répand pas de ces dons. À cause de l'amour. C'est par l'amour qu'il est fidèle à son alliance. C'est par l'amour, même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. C'est un principe spirituel. Si tu veux être un homme spirituel, tu dois apprendre à manifester l'amour, à vivre l'amour, à marcher dans l'amour, à incarner l'amour, à incarner l'amour dans ta personne, dans ton esprit, dans ton cœur. Pourquoi lorsqu'on te voit, on dit, voilà l'amour en personne se manifester. Le Seigneur veut que vous soyez et que vous ayez l'amour dans votre cœur. Vous soyez des personnes qui aiment. C'est ça, c'est à partir de ce moment que l'on peut dire que vous êtes des femmes spirituelles ou des hommes spirituels. C'est le décollage pour être quelqu'un de spirituel. Hein? Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ça aussi, c'est un langage d'humilité. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Je ne connais pas tout. Mon frère peut-être connaît plus que moi. C'est l'amour qui parle comme ça. Je ne suis pas le connaisseur de tous. Je ne suis pas le seul que Dieu connaît. Je ne suis pas le seul que Dieu aime. Et je ne suis pas le seul que Dieu a choisi. Dieu a ses enfants partout. Et quand je trouve un enfant de Dieu, je peux apprendre quelque chose de lui parce que je ne connais pas toute la vérité de Dieu. C'est pas avant qu'on arrive au sommet de la connaissance de la vérité. Lui, il prophétise, l'autre guérit les malades. Mais à cause de l'orgueil, je dis non, je connais tout. Je serai toujours là à prophétiser et je ne guérirai jamais les malades. Par amour, je peux apprendre aussi à guérir les malades lorsque je me comprends. C'est comme ça l'Église grandit. Et l'amour de Dieu est parfait au milieu des saints.
L'amour de Dieu évolue au milieu des saints. Et Jésus est glorifié dans son église. Jésus n'est pas présent seulement lorsque les miracles se font. Lorsque les signes se produisent, Jésus est présent lorsque l'église est reposée sur la fondation de l'âme. Lorsque les hommes de Dieu aussi manifestent l'amour et enseignent l'amour au peuple. Quand on dit enseigner l'amour, ce n'est pas forcément venir dire toujours l'amour, l'amour. Non. Par le comportement, par les enseignements qui sortent, l'amour doit se faire voir. L'amour doit se faire entendre. Pour qu'on sache que ah, le Seigneur est présent. Quand je fais une reproche, quand je donne une réprimande, je dois aussi donner la porte de sortie et la solution à la personne. Quand je condamne quelque chose, je dois aussi apporter la solution à ce que je suis en train de condamner. C'est là qu'on verra que voilà, je manifeste l'amour. Mais lorsque je condamne sans apporter une solution, sans apporter un élément de réponse, sans apporter ouvrir ou monter la porte de sortie pour que cette personne cesse de faire cela, je suis en train de juger cette personne. Parce que le jugement est sans miséricorde, mais l'amour est avec miséricorde. Quand l'amour parle, l'amour est contre le mal, l'amour relève la vérité. Et l'amour demande maintenant, ou bien montre maintenant comment il faut faire pour appliquer la vérité. Mais le jugement condamne, accuse et ne monte pas la porte de sortie. Donc désormais, ayez l'amour de Dieu dans vos cœurs. Vas-y. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est passé disparaîtra. Oui. Lorsque j'étais enfant, oui. Je parlais comme un enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Oui. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est l'apôtre Paul lui-même qui parle. C'est ce qu'il a vécu. Et il utilise cela pour donner des conseils. Lorsque j'étais un enfant, je parle comme un enfant. Lorsque je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui est d'un enfant. Et je parle maintenant comme une personne mature. Nous voyons au moyen de miroir de manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Oui. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Je connaîtrai seulement par quoi? Par amour. Je connais en partie aujourd'hui, mais je connaîtrai comme j'ai été connu. J'ai été connu par quoi? J'ai été connu par quoi? Et je connaîtrai aussi par quoi? Je connaîtrai aussi également par amour. C'est bon? Il dit maintenant. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Et l'amour. Et? Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Ça veut dire quoi? Si tu veux monter spirituellement avec Dieu, il faut que l'amour soit la base. Sans l'amour, vous n'êtes rien. Sans l'amour, vous êtes charnel. Parce que c'est la chair qui, et ses œuvres qui n'aiment pas. Mais ceux qui sont les hommes spirituels et qui opèrent avec Dieu apprennent toujours à aimer. Manifestez désormais l'amour en toutes choses. Manifestez l'amour tout autour de vous. C'est ce que le Seigneur nous demande. Lisez-moi Romains 8. Romains 8. Romains 8 à partir du verset 26. Romains chapitre 8, à partir du verset 26, j'ai lu au nom de Jésus. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inestimables. Et c'est nous qui sommes le cœur, connaît quelle est la pensée de l'esprit.
lui. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Selon Dieu, il intercède en faveur des saints. Le rôle de l'esprit, c'est l'intercession. Et l'intercession est poussée par l'amour. C'est pourquoi il dit c'est selon Dieu. Et que je dis, c'est par l'amour, c'est selon l'amour qu'il intercède pour nous. Amen. Nous savons que oui. Pour toutes les choses, pour tout le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon sa puissance. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous voyez qu'on parle toujours de l'amour. C'est toujours l'amour qui manifeste toutes ces choses. Quand on parle toujours de l'amour, on parle de Jésus qui a été envoyé. On parle du Fils de Dieu qui a été envoyé. Parce que le Fils de Dieu est le symbole de la manifestation de l'amour de Dieu. Ceux qui veulent connaître Dieu dans son amour, il faut qu'ils connaissent Jésus. S'ils connaissent Jésus, ils ont aussi accès à l'amour de Dieu. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Oui. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Oui. Oui, qui n'a point épargné son propre fils. Oui. Mais qu'il a livré pour nous. Pour nous, il a livré pour nous. Par quoi? Par amour. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oui. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? Qui vous accuse? Qui vous accuse? Personne ne vous accusera. Dieu ne permet à personne de vous accuser, même le diable. Le diable n'a pas aussi la capacité de vous accuser. Le diable aussi ne peut plus vous accuser parce que l'accusateur a été vaincu. Amen. Celui qui accusait les frères a été vaincu. En tout cas, on va voir ça aussi après. Vas-y. Qui les condamnera? Qui les condamnera? C'est pourquoi je vous demande de ne pas condamner vos frères. Parce que personne n'a le pouvoir de condamner les élus de Dieu. Personne ne peut les condamner. Donc si tu condamnes, tu joues le rôle du diable. Le rôle qu'il a cessé de jouer parce qu'on lui a retiré le rôle. Toi, tu ramènes ce rôle. Tu deviens le diable qui condamne, qui accuse. Qui murmure contre les frères, qui soulève les choses contre les frères. Il y a toujours des disputes, il y a toujours des guerres, il y a toujours des choses. Et c'est toujours toi. Cesse de le faire. Hein? Christ est mort, Dieu peut aussi le ressuscité. Christ est mort, il est ressuscité. C'est toujours l'amour qui se manifeste en nous, comme ça. Il est à la droite de Dieu. Et il fait quoi? Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. L'amour de Dieu a été manifesté par aussi l'intercession. C'est pourquoi dans 1 Timothée 2,5, on dit que Jésus est le médiateur entre nous et Dieu, entre Dieu et les hommes. Il y a un seul Dieu, mais il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est la médiation. Lui, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Oui. Sera-ce la tribulation? Non. Ou l'angoisse? Non. Ou la persécution? Non. Ou la faim? Non. Ou la nudité? Non. Ou le péril? Non. Ou l'épée? Rien du tout. Oui. Cela qu'il est écrit, oui. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais d'après ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je ne sais pas si vous comprenez les choses. Ce n'est pas à vous que nous avons triomphé sur le diable. Ce n'est pas l'amour que nous avons triomphé sur le monde. Nous sommes vainqueurs parce que Dieu nous aime. Nous sommes vainqueurs parce que Dieu nous aime. Et que nous aussi, nous pratiquons l'amour comme Dieu. C'est pourquoi rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Regardez comment les premiers chrétiens ont marché dans l'amour. Ils ne cessent de parler de l'amour parce que l'amour les a visités.
La lumière de Dieu a été manifestée par l'amour et dans l'amour. Donc si tu veux vivre la vie de l'esprit, il faut que tu sois tu sois une personne qui aime et que tu apprends l'amour de Dieu. Il faut que tu connaisses l'amour de Dieu qui a été manifesté. Donc toi aussi, tu dois aussi te donner pour les autres. L'amour, c'est de donner sa vie pour ses frères. Parce que Jésus aussi a donné sa vie pour ses frères. A donné sa vie pour la maison d'Israël. A donné sa vie pour toute l'humanité. Donc celui qui aime aussi doit apprendre à donner, à faire don de sa vie. C'est en ce moment qu'il demeure dans la vérité de Dieu. Parce que l'amour, c'est la vérité de Dieu. Quand tu as l'amour, tu as la vérité. Jésus dit, toute chose passera. Mais ma parole demeure. La terre et le ciel passeront, mais ma parole demeure. Paul dit, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, n'est-ce pas? Mais l'amour est la plus grande de ces choses. Ça nous dit quoi? L'amour est cette parole de Dieu qui demeure éternellement, qui vit éternellement et qui ne sera jamais retranchée. Donc quand tu as l'amour dans ton cœur, tu connais Dieu. Parce que l'amour, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, tous les commandements, les préceptes, les ordonnances et les lois ont été remplacés par la parole de Dieu qui est l'amour. Et cette parole est la loi spirituelle qui vit maintenant dans notre cœur. C'est l'esprit de vie qui vit en nous et qui déploie en nous toutes les paroles de Dieu que nous devons comprendre, que nous devons connaître et pour marcher selon ces paroles. Celui qui vit selon la vie de l'esprit est quelqu'un qui magnifie, vit selon les commandements de Dieu que Dieu inscrit dans son cœur. Il marche selon ses commandements par la loi spirituelle, la loi de la liberté, la loi de la vie qui le délivre de toute autre loi charnelle. Parce qu'il a accès à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Oui. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Rien ne peut nous séparer. Le diable ne peut pas. La hauteur, la profondeur, les ténèbres ne peuvent pas nous séparer de l'amour. Donc pourquoi ne pas demeurer dans cet amour de Dieu que nous avons reçu? Pourquoi ne pas manifester l'amour de Dieu? Parce que c'est par amour que nous avons été sauvés. Et nous avons l'assurance que si nous demeurons dans l'amour, nous sommes dans la lumière de Dieu et que nous serons aussi sauvés. Si tu demeures dans l'amour, tu connaîtras de grandes choses avec Dieu. Ceux qui demeurent dans l'amour sont ceux qui ont les cœurs purs, que Dieu trouve bon devant lui. C'est ceux qui ont le cœur pur. C'est ceux qui manifestent l'amour de Dieu. Ils vivent l'amour de Dieu. Ils montrent et démontrent qu'ils connaissent Dieu par leurs actes et par tout ce qu'ils font. Et c'est par l'amour que Jésus intercède pour nous jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Qui croit à cette parole et qui veut la vivre, qui a reçu une liberté, une délivrance par cette parole, acclame le Seigneur Jésus. Pour finir, vous allez me lire deux passages, Hébreux 7, verset et 1 Jean 2, verset 1. Pour finir. Le Seigneur apporte un nouveau vent dans son église. Il apporte une nouvelle forme d'adoration dans son église. C'est que tu, avant de venir au culte, lorsque le dimanche s'approche, ou bien lorsque le jour au culte s'approche, tu vas sentir en toi un besoin vif de voir tes frères, de sentir la présence de l'apôtre Junias, de sentir la présence de l'évangéliste Gédéon, ou de pasteur Mathias, ou de frère Laure, ou de maman Anne, ou de sœur Dorcas,
Tabitha, ou de sœur Rebecca, ou de servante de Dieu, et Dorcas, c'est Dorcas, non? Voilà, Esther, ou de maman Abia. Voilà. Tu sentiras le besoin de les rencontrer parce que leur amour vibre tellement dans ton cœur. Tu veux les voir, tu veux les voir. Et c'est comme ça que Dieu se glorifie au sein de vous, se glorifie au sein de son peuple. Oui, vas-y. Hébreux chapitre 7, verset 25, du nom de Jésus. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour décider en leur faveur. Étant vivant pour décider en leur faveur, par le ministère de l'intercession. Étant un avocat qui veut sauver son peuple. Oui. C'est bon. Quel est le deuxième verset? Vous avez déjà dit un Jean 2. Le premier verset. 1 Jean chapitre 2, verset 1, je lis au nom de Jésus. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui manifeste pour nous son amour. Et si nous demeurons dans son amour, en réalité, nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc rien n'est plus beau que l'amour de Dieu. Rien n'est plus vrai, plus tangible, plus bon que l'amour de Dieu. Et rien n'est éternel sans l'amour de Dieu. Même quand nous voyons la création tout entière, nous voyons l'amour qui se manifeste. Quand nous voyons comment la terre fait pousser les semences et nous mangeons tout le temps, nous voyons l'amour de Dieu qui se manifeste. Pourquoi ne pas manifester l'amour de Dieu autour de nous? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes à la fin, nous allons bénir le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce message. Merci parce que tu commences à appuyer les choses pour mettre l'accent sur l'amour afin que ton peuple progresse dans ton amour. Marche dans ton amour. Vive ton amour et reste ferme dans ton amour. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce message. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, amen.